de l'âme. Je me permets juste, je vois mon frère. Je vois cet engouement, je vois cette foule, je vois cette foi, je vois cette spontanéité. Comment tout un chacun, dès qu'on arrive devant le tzaddik, on est presque enfant. On ne comprend pas. On veut allumer les bougies, on veut faire des prières, on veut faire des vœux, mais on fait des prières et des vœux à qui? J'allais presque dire, presque dire. Vous savez, dans beaucoup de communautés, beaucoup de contrées, il n'y a pas cet entrain d'aller sur les tombes des tzaddikim. Chez d'autres grands chachamim, il vaut mieux rester dans les maisons d'études et étudier la Torah. Alors, qui a raison et qui a tort? Alors maintenant, je vous explique. Qu'est-ce que nous fêtons ce soir? Pourquoi nous faisons tellement? Voilà. Tout à l'heure, avec pas mal de personnes qui étaient là, on était en train de lire un petit peu le condensé de la vie de ce tzaddik qui est là. Qu'est-ce qui a fait que ce bonhomme-là est devenu extraordinaire? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ce bonhomme-là s'est devenu quelqu'un hors norme? C'est quoi la magie? C'est un être humain comme tout le monde, de père et de mère. Mes chers amis, si vous venez respecter ici les tzaddikim, si vous venez respecter la foi et la vie qu'ont vécu les tzaddikim, c'est respecter d'abord ce que les tzaddikim disent. Et les tzaddikim, on ne devient pas tzaddik, on ne devient pas tailleur si on n'a pas appris le métier de la couture. On ne peut pas devenir menuisier si on ne sait pas comment on fait, on fabrique des tables et des meubles. On ne devient pas chacham si on n'a pas étudié la Torah. Ce bonhomme-là, Rabotai, ce tzaddik-là, il a passé toute sa vie, à étudier la Torah. Vous savez ce que ça veut dire, étudier toute une vie la Torah? Est-ce qu'on sait, on s'imagine? Il n'y a pas encore beaucoup d'années. Juste derrière nous, vous avez un grand Gaon Hador que l'on appelle Rav Ovadia Yosef, que tout le monde connaît. Je vais vous donner une notion de ce que c'est étudier, une petite notion. C'est une personne qui a vécu 93 ans, qui a étudié une moyenne de 14 heures par jour. Faites le compte. On ne devient pas chacham comme ça à pied levé. Donc mes chers amis, ce soir, tout le monde va formuler le vœu, va faire la prière. Déjà, on va lui faire un grand hashkava, un grand hommage. Oui. C'est le minimum qu'on lui donne de respect. Mais Be'ezret Hashem, si nous sommes venus tous les uns et les autres à Oujda et à Debdou et voir les tzadikim, Chas v'chalila, loin de nous de venir faire du tourisme. Et loin de nous, comme quelqu'un a dit, on n'est pas venu chercher le soleil. On est venu prendre un peu de bagage, un peu d'entrain pour la vie, pour toute l'année à venir et pour toutes les années. Et prendre un peu leur exemple à Rabotai. Si quelqu'un il est encore hésitant de faire Shabbat, par exemple, je dis un exemple. Et bien si aujourd'hui, nous sommes venus ici et nous avons dit, mince, jusqu'à aujourd'hui je ne faisais pas Shabbat, j'étais hésitant. Et bien par le mérite de ce tzaddik, je vais commencer à faire Shabbat. Et bien j'ai gagné une chose. Ou j'ai dit un exemple, où quelqu'un il était très très, très pataugeant dans la cacheroute. Il commence à faire la cacheroute. Voilà une réussite. Là, le tzaddik sera fier de nous. De la même façon que nous sommes en larmes, en fond devant lui. Et bien, il faut que lui aussi soit fier de nous. Et c'est que Be'ezret Hashem, les uns et les autres, c'est le moment opportun. Et c'est ça qu'on appelle Hiloula. Hiloula, ça veut dire un anniversaire. Le jour où un tzaddik il a quitté le monde. Ce n'est pas un jour heureux, c'est un jour triste. Mais pourquoi nous sommes heureux? Parce que nous avons la foi, nous sommes sûrs que ce tzaddik a rempli sa mission sur terre. Et grâce au fait que la Neshama revient tous les ans à la même date, donc nous sommes en connexion directe avec lui. Et aujourd'hui, les portes du ciel sont ouvertes puisqu'il nous écoute. Et tout ce qu'on lui formulera comme vœu, Be'ezret Hashem, que ce soit pour le mariage, les gens vont m'amener des anecdotes. Celui qui avait besoin l'année dernière de mariage pour une fille ou un garçon, il l'a eu. Celui qui a besoin d'enfants, celui qui a besoin de rifoua shlema, celui qui a besoin de bonne santé, tout ce que vous disiez, Be'ezret Hashem. Et qu'à la mémoire de tous nos disparus, de tous nos chers disparus, soit ce soir, soit rappelé dans le ciel, Be'ezret Hashem. Pour la augmentation de la retraite. Alors, donc, vous voulez un moment d'attention. Que Dieu vous bénisse à tous, protège à vous tous, amen. Par le mérite du tzaddik Hacham Kohen Sivan. Amen. Amen. Pour vous donner une notion de ce que c'est un gadol, un grand Hacham, il a vécu 68 ans, mes chers amis, c'est pas beaucoup. 68 ans pour un Hacham,
c'est comme quelqu'un qui a vécu 10 siècles. Pour un chacham, c'est comme s'il a vécu 10 siècles. Parce que si Dieu il a décidé 68 ans, c'est qu'en 68 ans, c'est impossible qu'il n'ait pas rempli sa mission. Il y en a qui vivent 100 ans et plus, ils n'ont rien fait dans une vie. Voilà, voilà. Tout à l'heure, on a tremblé devant avec les termes de cette impressionnante grandeur qu'il avait, hors norme. Donc, si Raouadi Youssef il l'a fait, si lui il l'a fait, si le Chachamim l'ont fait, c'est quand on veut, on peut, et Dieu nous donne la potentialité et l'opportunité et la possibilité de le faire. Et que Be'ezrat Hashem, comme je vous ai dit tout à l'heure, formulez vos voeux aujourd'hui. Les portes sont du ciel sont ouvertes. Il est présent avec nous. On s'est déplacé jusqu'à chez lui. Donc, à Oujda. Donc, Be'ezrat Hashem, il priera pour nous, amen, pour nos familles, amen, pour, amen, nos épouses, amen, pour nos enfants, amen, pour notre santé, pour nos communautés, pour notre. Et que la Kiyoula Be'ezrat Hashem, il vient très bientôt avec Mishia Batikel ou Mirabi Amenu. Avec Yeratson, amen, ve'amen. Pour le Maroc. Je vais faire Be'ezrat Hashem une grande Ashkava comme il le mérite. J'espère que je suis à la hauteur. Et après, je vais faire Michel Bérard pour tout le Kahal. Je vais faire la Moi, je prends la parole juste derrière le Rav. Je ne suis pas Rav. Mais comment il s'appelle? Le Rav, il a parlé, il a donné des exemples du Rav Shlomo Cohen Scali. Il a étudié, il a parlé du Rav Obadiah. Je ne veux pas qu'il fasse samedi. Non, je sais. Enseignement que j'ai pris d'un livre qui s'appelle les Sikhot Moussa du Rav Shmulevitch. Et ces Sikhot Moussa, il dit quelle est la question qu'on pose à l'être humain quand il arrive en haut. Après 120 ans, est-ce que Haïm Haïta ben Masaumatan et surtout Haïm Kamart Alecha Etim la Torah? Est-ce que tu t'es fixé des heures pour étudier la Torah? C'est la question. Alors là, on parle d'un tribunal et il y a un Gemara qui s'appelle Masechet Yoma Lamedhe Amudvet. Il y a marqué comme ça Tanur Rabbanan Ba'ani Ashir Verasha Aladun. On voit qu'il y a trois types de personnes qui se sont présentées devant le tribunal céleste. Et alors, c'est le riche, le pauvre, le riche et le rachat. Hacham anive rachat. Le pauvre arrive et on lui pose la question Haïm kavata lecha etim la Torah. Est-ce que tu as étudié la Torah? Il dit moi, j'étais pauvre. Quelle Torah je vais étudier? Mais j'avais même pas de quoi manger. Je vais étudier la Torah. Alors, il dit est-ce que tu étais plus pauvre que il est le Zaken, aussi il était pauvre. Et il étudiait la Torah. Il dit, mais dans votre Torah, il n'est pas marqué que je suis considéré comme un mort. Anine Chef Kabet. Bon, si je sais, donc j'étais mort. Comment un mort il peut étudier? Et encore le tribunal qui l'enfonce. Il dit, mais dis-moi une seconde, c'est vrai que tu étais mort. Il est le Zaken, quand il faisait la manche toute la journée, et il ramassait Praktika Achat, il ramassait un petit écu, et il met la moitié pour étudier, qu'il donnait au Shamash, et l'autre moitié, il nourrissait sa famille. Alors il dit, et qui me dit que cette monnaie-là n'était pas une valeur Mahamara? Il dit, ben, si elle était Mahamara, le Shamash, il aurait été milliardaire. Il essaye de tous les côtés. Après, il dit, tu parlais de mort. Un jour, il n'a pas ramassé l'argent pour aller étudier. Il est monté sur le toit. Il a mis sa tête sur la cheminée. Et il y a 4 mètres de neige qui lui sont tombés dessus. Alors, en bas, à la synagogue, il ne comprenait pas. Il levait la tête. Ils ont vu un visage d'un être humain. Il n'y avait pas de lumière dans ce Beit HaMidrash. Ils se sont levés. Ils ont déterré ce monsieur qui était complètement congelé. C'était Hillel. Ils l'ont descendu. Donc ici, il a essayé de tous les côtés de se défendre. Et là, on a que Hillel Azaken, il est Mechayev, que les pauvres, le Hani, il est Mechayev Hillel. Donc même le pauvre, il est obligé d'étudier la Torah. Après, il va venir le rachat, le beau gosse. Et il leur dit, est-ce que tu as étudié la Torah? Il dit, quelle Torah? Il dit, moi j'étais un playboy. Tous les soirs, j'étais en boîte, j'étais beau garçon. Et toi, tu étais beau garçon. Est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik? C'est pas ça dit que c'était la plus grande beauté du monde. Donc ils n'ont pas cherché leur feu direct, ils l'ont catapulté, c'était un rachat, il a été jeté. Il nous reste le dernier. Et c'est quoi le dernier? C'est le riche. Alors le riche, il est venu, on lui a dit, est-ce que tu as étudié la Torah? Il a dit, moi j'étais dans les affaires, un jour j'étais à New York, un jour j'étais à Hong Kong, donc je ne pouvais pas étudier. Donc comment vous voulez que j'étudie la Torah? Alors on lui répond,
Haïm Haïta Yoter Achir, mi Rabbi El-Azhar ben Harsoum. Il y avait un monsieur qui s'appelait Rabbi El-Azhar ben Harsoum. Son père lui a laissé 1000 bateaux qui faisaient le transport maritime. Et on raconte que lorsqu'il passait sur ces terrains, les gardiens, ils prenaient des pierres et lui jetaient. Parce que chaque fois qu'il entendait qu'il y avait un Dvar Torah quelque part, il prenait un baluchon, il mettait une galette, il allait étudier la Torah. Et les gardiens, ils le frappaient avec ses pierres pour ne pas le laisser passer. Et c'était ses propres terrains. De là aussi, on apprend que Rabbi El-Azhar ben Harsoum, qui était un mec milliardaire, il aimait Hayev le Hachir, que même le Hachir, il était obligé d'étudier la Torah. Maintenant, pour finir, il y a juste une petite phrase dans toutes les synagogues. Il y a marqué Etz Hayim Hi Lama Hazikim Ba. C'est quoi Etz Hayim Hi Lama Hazikim Ba? Etz, c'est un arbre. Hi, elle. Lama Hazikim Ba, tout celui qui soutient les personnes de la Torah. Et en définitive, ce Etz. Tout à l'heure, on a chanté la chanson de Baba Salé, Rabbi Yaakov, dans un livre à lui qui s'appelle Pitouhi Hotam. Il a marqué là-bas, qu'est-ce que c'est Etz Hayim? Etz, Etz, c'est la Shekhinah. Celui qui s'accroche à la Shekhinah, lui, il a un long de vie. Comment il a traduit que le Etz, c'est la Shekhinah? Quand on prend les valeurs numériques de Etz, Hayim et Tzadik, ça fait 70 et 90, ça fait 160. Shem Havaya, Yud, Ke, Vav, Ke. On le divise en deux, le Yud et le Ke. 10 multiplié par 5, ça fait 50. On le prend en verlan, 5 multiplié par 10, ça fait 50. Combien ça nous fait? 100. Après, on a Vav et Vav, 6, 5, 6 fois 5, 30. 5 fois 6, 30, ça fait 60. 160, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est la Shekhina, c'est ça le S. Celui qui approcha. Et maintenant, quand on dit Etz Haïm, quand on voit des rabbins qui viennent, pardon, le compte est bon. 160. Donc, c'est moi, quand on m'envoie Etz Haïm, Hil Mahazikimba, Hil, c'est quoi? C'est des fois on est Hillel, on est pauvre, des fois on est Yosef, on est Arasha, et des fois on est Al-Hazar, on est riche. Alors, donc, qu'est-ce qui va? C'est pour ça que lorsqu'il y a des rabbins qui se présentent à vous et qui sont devant vous, n'ayez pas peur d'ouvrir votre main parce que Issachar et Zebulun, ces gens-là, on leur donne d'étudier la Torah, et bien ils nous remplacent un petit peu. Bravo, Polo! Tu m'épates! Ah, c'est sur un coup. Parce qu'il est déjà tard et on peut pas l'avancer. Allez, à toi. La chokhma, ma'akim, ma'tzeh, 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 ma'tz